Mais c'est surtout dans le traitement réservé à sa population juive que l'Autriche va se distinguer. Le jour même de l'Anschluss, l'antisémitisme se déchaîne, sans avoir reçu le moindre ordre de Berlin. L'écrivain Stefan Zweig détaille les exactions endurées par sa communauté. On laissait libre cours à tous les désirs de vengeance privée. Des professeurs d'université étaient forcés de frotter de leurs mains nues le pavé des rues. De pieux vieillards juifs étaient traînés au temple et contraints par de jeunes braillards à faire des génuflexions et à crier « Heil Hitler !» Mais humilier les juifs ne suffit pas. Les SA, les tristement célèbres sections d'assaut, les forces de l'ordre, mais aussi des citoyens ordinaires se livrent au saccage et au pillage de leurs biens. Bijoux, argent, vêtements, mobilier, tout y passe. Une jeune Autrichienne constate avec satisfaction : ceux qui se trouvaient tout en haut avant sont maintenant tout en bas.